Et salut à tous, on se retrouve à l'exact endroit où on s'était arrêté la dernière fois. J'ai farmé un peu les points, ce qui m'a permis d'accéder à certains accessoires, dont celui qui donne, je vous montre ça, Neo Armor Alpha est un des une des rares armures qu'on peut extraire pour avoir défensive plus 4, donc c'est super cool. Donc, il faut avoir le niveau 3, hein, niveau 3 accessoire qui est très très utile, puisqu'on peut avoir Code Sword, Beam, Ice et Lightning. Et Fire, mais là ça apparaît pas, je pense, parce qu'elle est équipée. Donc, j'ai ça. Là par exemple, sur Junior, j'ai mis le skill de Code Beam pour avoir moins 20% de dégâts de rayon. Pareil pour elle, la défense plus 4 également. D'ailleurs, je vais peut-être lui mettre. Il a pas attaque plus. Plus 2. Tiens, ça existe pas. C'est étonnant, tu vois. Il y a l'inter-attaque, mais il n'y a pas. Il n'y a pas l'attaque. Ah si. Non. Non, ça existe pas. Ok. Enfin voilà, dès que vous allez au niveau 3 d'accessoires, vous devenez beaucoup plus fort. Et on va continuer du coup dans ce donjon. Et comme je vous le disais à la dernière vidéo, dans un niveau, de chion, elle va faire très mal. Classique. Hein. Je vais garder tous ces points, points de technique pour plus tard, donc j'espère que ça va nous servir bientôt. Vous le voyez, ouais, cet endroit il est très dangereux parce que énormément d'attaques des zones. Alors là, je devrais me soigner, mais je vais pas le faire. Je vais essayer d'en tuer 3. Parfait. Dernier, on va le tuer comme ça. On va battre 3 combats, je pense, pour que je monte de niveau. Junior, il a plus de vie, on va le laisser comme ça. Peut-être un coup, allez, pour pas qu'il se passe one shot. Parce que je vous rappelle, hein, moins il a de vie, plus il fait mal. Ouais, et là on a quelques accessoires à récupérer. Alors Soldier Honor, c'est un accessoire pour protéger d'une altération d'état qui est disable attack. Attack disable, je crois. C'est altération d'état, on s'en fout un peu, donc c'est pas un accessoire très utile pour l'instant. À moins qu'il y ait un boss ou un ennemi chiant qui utilise tout le temps cette altération, mais je crois pas. Ah oui, quand même. C'est là qu'on commence à des attaques zone sur tous les persos. Donc là, faut commencer à regarder pour les améliorer, monter le niveau des attaques de zone. Parce qu'elles commencent à devenir un peu plus plardes. Waouh. Putain, elle m'est chère, hein, quand même.
Donc lui il va mourir. On va se concentrer sur lui. Ouais, ils craignent tous le rayon, je crois. Parfait. Et voilà, on laisse pas le temps de contre-attaquer. Ouais, c'est ça, deux combats. J'hésite à laisser à chaque fois Junior avec vraiment zéro vie, comme là, mais... C'est trop dangereux, parce qu'il y a trop d'attaques de zone, donc c'est quasi sûr qu'il se fasse tuer avant. Ouais, là on est obligé de descendre. Si on gère bien les points, il y a peut-être moyen de faire un seul combat pour l'XP, mais je crois que les points x2, x4, x10, ça s'applique pas aux points d'expérience si je me trompe pas. Je me trompe peut-être, hein, mais je crois pas. Ah super, oh là là, il va faire des dégâts là. Complètement délirant. Bon, même s'il va mourir juste après, mais c'est pas grave. Allez, on va faire cette attaque au cas où. Je suis pas sûr qu'elle veut elle le tue autrement. Je voudrais pas, mais c'est un donjon assez dur, heureusement que j'ai fermé. Tout ça parce qu'il y a trop d'attaques de zone en fait. Bah de toute façon le jeu est dur hein. C'est un jeu très compliqué en vrai. L'histoire est un peu compliquée, mais le jeu en lui-même, les combats sont vraiment pas faciles. C'est pas un jeu super abordable. Ni au niveau du prix du jeu d'ailleurs, parce qu'il doit coûter vraiment très cher maintenant. Je pense pas qu'il soit facile à trouver. Bon là j'ai vidé exprès un des soldats parce que c'est eux qui ont le moins de vie et normalement elle devrait pouvoir l'achever. Ou alors j'aurais peut-être dû viser la machine qui craint plus le rayon, mais on va voir. Non c'est bon ça suit. C'est pas grave, s'il meurt, ça donnera plus d'XP aux autres. Faut pas oublier qu'il a le maillot de bain aussi. Ce qui n'aide pas vraiment. On va faire ça pour pas qu'il... Ça y est, Renblade enfin. L'attaque qu'on voulait depuis le début. Oups. Je me trompe même de touche tellement je suis surexcité. Alors, hop. Renblade. On a 1300 points, ça devrait aller. Ça, bien sûr. Et ça fait du coup bim sur tout le monde. Et en plus en R, donc ça touche même les ennemis derrière. Et bien sûr, on lui met celle-là. Et adieu, Spellray, c'est fini.
Regardez, ouais, regardez ça sinon. D'ailleurs, lui, il faudrait qu'on utilise ses points parce qu'on lui a mis 1 million de points, mais ça sert à rien si. On va lui laisser du coup Stormwalls là et mettre Mystic Nocturne sur l'autre. Voilà. Et elle qui commence à avoir pas mal aussi. Rammer, c'est bon. F-Chain, c'est sympa aussi. J'ai pas le pont tout de suite. On va lui monter. Ça. Ah, Rammer, on va pas le monter parce qu'en fait. Elle aura une meilleure attaque après. Physique. Voilà l'utilité de Momo dans ce jeu. Ah bah même pas, le PO c'est de MP. Voilà, et là les combats vont être beaucoup plus simples maintenant. Je me rappelle plus s'il faut que je descende ou pas. Dans le doute, je vais prendre toutes les échelles comme ça, je suis sûr de tout faire. J'aurais dû tester son autre attaque. Bon, c'est pas grave. Ah non, mais c'est bon. Ah, ça fait moins mal parce que c'est pas physique, hein, forcément. Voilà, 3 perfos qu'on attaque de zone, ça fait mal. De toute façon, faut qu'on aille là, je crois. Je me suis bien soigné. Ouais. Ah ben non, j'ai pas besoin de me soigner, je vais les ai défoncés en fait. Bon, c'est encore une attaque qu'on va refaire souvent et qui dure longtemps, mais. Elle défonce. Ça rend vraiment les combats plus rapides. Je crois pas, faut que j'aille ici tout de suite. J'ai un doute. Je crois que j'ai d'autres trucs à faire avant. On va quand même faire ça, mais. Je crois que c'était pas la priorité. Ah si, si, il fallait que je fasse les deux côtés. Non, mais c'est bon du coup. À dire que ces ennemis me défonçaient il y a pas si longtemps. En plus là c'est trop bien parce qu'à chaque fois on tombe sur le deuxième tour, on a le bonus de points. Et vu que il nous faut 2 tours pour les tuer. Thank you.
Ah mince. Il a cassé mon plan là. Il n'y a pas le bonus. Bon, ça fait pas giga mal, hein, mais c'est parce que c'est de type rayon. Donc faut qu'il craigne le rayon. Ah si, j'ai quand même le bonus de points du coup. En plus il a plus de vie là, donc il va faire super mal. Il est bientôt niveau 30 aussi. Je me demande s'il apprend une nouvelle attaque. Je crois que les dernières attaques du jeu c'est niveau 30 de toute façon. Je suis pas sûr de moi là. On va essayer quand même. Du coup, je sais pas si je reste comme ça. On va tenter, hein. Peut-être pas dû aller par là en premier, bon, c'est pas grave. Disabling auto safety. Destroy all targets. Ok, refresh c'est quoi? Ok. Prends le feu. Il dort mort. Merde. J'ai rien pour voler. On va tenter Mystique Nocturne. Avec les pistolets à eau, ça lui fait que dalle. Donc il prend pas le spirit. Ah bah non, il prend le feu, je suis con. Débile. Oh, ça peut être pas mal ça. Il a beaucoup moins d'attaque quand même. Est-ce que je lui ai laissé le truc pour voler? Queen's Kiss, non, je l'ai enlevé, putain. J'ai chier. Là, on peut pas. Pas grave. Bah, on va l'attaquer du coup. Ah ok, c'est que des attaques à distance du coup. Ça a duré 1000 ans putain.
Elle a peur de faire très mal. Ça c'est un peu chiant. Wow. Ok. Je pense qu'il fait ça que si on est derrière. Donc je vais me remettre devant. Un max de jauge. Medicare reste. Voilà, pile sur le bonus de points, parfait. x4, ah ouais. Bien, bien, bien. Dommage qu'on n'a pas pu lui voler l'item, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on voit qu'on a encore un truc à activer.
Ouais, mais du coup, on n'a pas pu aller aux autres trucs. C'est un peu con. Alors. Je vais sauvegarder là. Je vais remonter l'ascenseur. Et on va se retrouver là après la sauvegarde. Et à tout de suite. Bon, en fait, il suffisait d'appuyer sur le bouton, donc. Donc, en fait, c'est bon. Donc, ça, c'est là d'où on venait. Ça, c'est là où il y avait le truc pour Momo. Là, c'est où on en est allé. Donc, il reste ça à faire. Pour ce petit boss. Hop. Wow! Quelle esquive! La crosse! Personnage. Cross, qu'est-ce donc? Je donne 10%. Ah ouais, ça c'est fort ça. Peut-être le mettre à quelqu'un, ouais. Est-ce qu'on peut l'équiper? Ah, attendez, avant de faire ça, je vais regarder si on peut l'extraire. Peut-être son extra, c'est vraiment très très intéressant. On peut. Ok, bah c'est super fort du coup. Parce que du coup, on peut l'équiper. On va le mettre à la place de Bim moins 20. Ah, en plus, c'est dégueu. Ah ouais! Double effet quand l'accessoire est équipé. J'avais pas vu ça. Donc on part en bim moins 40, dommage moins 20%, c'est pas mal. On va le mettre à tout le monde parce que c'est vraiment trop fort en fait. Défense plus 4, on va lui mettre art du coup plus. On va lui mettre ça à la place de ça, je pense. Et elle, pareil. Ok. Parce que c'est vraiment trop bien, c'est universel. Moins 10% tout le temps, quoi. Et maintenant, on va voir si on peut l'équiper à quelqu'un. Comme ça, c'est trop bien. Code Fire, on va l'enlever, on va mettre Cross, allez. Du coup, elle a moins 20% tout le temps. Voilà. Donc, dégâts moins 20% sur elle en permanence. Tout type de dégâts, c'est trop fort. Oh putain, les 4 commencent à en parler. Pas ce qu'ils font là, je crois. Il va pas mourir et il va les défoncer. Heureusement, ils font pas attaque de zone. Et oui, j'ai rééquipé Quinskis aussi. Elle est vraiment trop petite, Cosmos, c'est un truc de malade. Putain, je commence à avoir une équipe, mais de. D'une telle puissance, quoi. Allez, dégage. Merde, j'ai pas regardé combien de vie il avait. Ah, il avait plus que ça. J'ai bien fait d'avoir cet accessoire, mais j'aurais dû le prendre dès le début. C'est dommage. Pas grave.
Donc ça c'est bon. Ça c'est fait aussi. Du coup. Du coup on est... ouais. Il nous reste un peu de temps. Je vais... Vu que le donjon est long, je vais quand même continuer un peu. Ouais, j'espère que vous n'ennuyez pas trop, c'est vrai que c'est que des combats. Hein. Vous aimez le gameplay du jeu. Et les temps de chargement interminables. J'arrive jamais à les mettre dans les pièges, de toute façon. C'est pas grave. Oula. Ça a pas un stand de chaos, ce truc. Normalement, ça a pas marché. Ouais, donc il y a beaucoup de Gnosis là. Peut-être que chaos serait pas mal ici. Ah mais alors attends, Mystique Nocturne ça doit être pas mal sur eux. On va essayer. Bon, même si avec la vie qu'il a on devrait faire l'autre attaque mais... C'est juste pour tester. Parce que c'est le type Spirit donc... Bof. Et là il a une de ses vies l'autre là. Abusé les points de vie quoi. Ah ouais, ça enlève tous les Deathblows. Pas mal. Ah ouais. Ah mais c'est peut-être ça attaque Disable. Ça va être extrêmement chiant du coup. On peut quand même tuer lui, je pense. On prend que ça le tue, que ça le tue. C'est bon. Ils vont me saouler avec l'altération. Ouais. Ah oui, mais merde. Ça devrait suffire. C'est bon. Ça, ça rigole pas les ennemis ici. Ah, Angelic Requiem. Qu'est-ce donc que cela? Alors, tous les ennemis. Ah, ouais, c'est mieux que Stormwalls, dis donc. C'est physique aussi, c'est Pierce. Et en plus, ça touche tout le monde parce que c'est en l'air, donc ça touche aussi la ligne de derrière. Bon bah, c'est sa nouvelle technique. Hein. On va lui mettre ça à la place de Stormwalls. J'hésite à prendre Chaos là, mais pas trop sûr. On va tester Angelic Requiem d'abord. Ah oui, je voulais voir quoi. Ah oui. Je voulais voir s'il y avait moyen. Il a quoi là? Red Ring, ok. Peut-être lui mettre. Le truc là, Soldier Honor. Parce que leur truc anti-bouton là, c'est super chiant.
Même si c'est trop bizarre de d'avoir des altérations d'état basées sur les boutons de la manette, quand même. Vous allez me dire, bon, c'est l'Egnosis. Donc, n'est-ce pas un peu logique qu'il fasse des trucs bizarres hors de notre réalité? Yes! J'ai réussi, je crois. Ouais, je crois. Alors, vas-y, monte-nous ton attaque, là. C'est un pass en plus, pour l'instant. C'est quand même plus rapide que l'autre, je trouve. Mais après, bon, l'autre, elle avait un niveau assez élevé aussi. Puis ils sont résistants. Hein. Ah oui, c'est à cause de mon piège, ça a pas marché. Lui, on va bientôt le tuer. On va le tuer tout de suite en fait. Pas trop ce qu'il craignent hein, quand même. Ah ouais, c'est vrai qu'il faisait pas très mal, mais c'est peut-être parce qu'il avait beaucoup de vie quand même. Non, ça fait mal en vrai. Ouais. Bon, normalement, c'est mieux que l'autre. Petite attaque de glace, ok. Ah, bon bah. Ça. The enemies have been exterminated. On va peut-être mettre les autres persos au niveau 30. Du coup. Voilà. Chaos, il avait quoi comme attaque? Est-ce qu'il a... Oui, il avait une attaque de base, hein. De sur tout le monde. Angel Blow, ouais. C'était fort, ça. Ça, jamais utilisé, par contre. Bon, après, attaque de glace. Hein. Ça sert à rien, mais... On va lui apprendre ça. On va rester comme ça, mais après, la prochaine fois, on va changer pour Chaos. Alors, par où faut aller? Ça m'intrigue, est-ce qu'il fallait aller vers en bas ou... Skill lock. Ah, ils sont de type B. C'est pas des Gnosis ? Ils sont type bio. Pas de type Gnosis. C'est étonnant, ça. C'est pas des Gnosis, en fait. Ouais, c'est juste des expériences.
Ouais, c'était d'expérience parce qu'on se rappelle hein, qu'on est dans du coup la chanson des Néphilim. Et c'est quoi la chanson des Néphilim? C'est une. Comment dire? Un laboratoire, plus ou moins. Enfin, c'est pas un laboratoire, mais ça a été créé du coup par Joachim Israeli. Pour activer quelque chose, donc on sait pas encore quoi, mais c'est dans les en rapport avec les expériences avec le Zohar. Et donc oui, c'est un laboratoire avec plein d'expériences, etc. Donc ouais, c'est pas des gnosis, c'est juste des créatures expérimentales, on va dire. Ou des aliens, à la limite. Donc ouais, c'est un de mes chaos, ça. J'ai quand même envie de mettre tout le monde niveau 30 pour avoir leur attaque. Bon après, de toute façon, il reste des donjons hein, dans le jeu. On peut aller en haut ou en bas. On peut pas aller par là. On a peut-être dû aller en bas tout à l'heure en fait. Ah. Ah oui, ça c'est un code. Et pour la solution pour passer là. On peut pas encore. Rouge bleu vert, rouge bleu vert. On peut pas reset. Merde. Toujours les mêmes notes. Non, c'est pas ça. C'est bien rouge bleu vert. Ça a un rapport avec le son. J'ai failli l'avoir tout à l'heure, mais. Il y a deux fois le même son. Je suis nul en je sais pas l'oreille musicale. Pas ça. Ah, j'ai compris. Ok. Du tout une. Alors, faut d'abord mettre le rouge sur un son précis, puis le bleu, puis le vert, je pense. Ça. Tune, tune, tune. Je connais pas les notes, mais on va y arriver. C'était celui-là.
tester ça. Voilà, j'ai réussi. Et voilà, on a réussi à faire les trois couleurs. Et du coup, on va bientôt se quitter. Et on se retrouve là, ok. Ok, bah écoutez, on va arrêter là et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la fin du donjon. Avec enfin des vraies scènes. Salut!